Bonjour. De nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'importe quelle autre femme aurait été hystérique, mais Lisa n'a même pas pleuré. Quand la porte s'est refermée derrière Sébastien pour toujours. Seulement, tous les jours qui ont suivi son départ, elle a été tourmentée par un étrange sentiment de culpabilité. Selon la loi du genre, elle devrait ressentir tout autre chose. Par exemple, de l'apitoiement et de la haine pour son mari. Mais non, l'âme de Lisa était complètement calme. Et ce n'est que de temps en temps qu'un calme superficiel traverse la mer. Ce sentiment désagréable. Elle pensait sans cesse au fait que Sébastien ne serait pas parti si elle l'avait fait. Et puis c'était l'impasse, car l'esprit refusait de répondre à la question de savoir ce que je devais faire pour qu'il reste. Ces derniers jours, Lisa avait essayé de répondre à cette question pour elle-même. Elle avait compris que sa propre vie et le sort de ses enfants en dépendaient. La jeune femme essayait mentalement de résoudre les mots croisés complexes, repassant patiemment dans sa tête chaque jour dont quelque chose se souvenait. La petite voiture que ses parents lui avaient offerte pour son 30e anniversaire. Elle se déplaçait avec assurance dans les rues de la ville du soir. Il lui semblait qu'elle ne conduisait plus une élégante voiture à hayons d'un rouge obscène, mais sa propre vie. Et tout dépendait de la direction qu'elle prendrait à l'intersection la plus proche. Sa main s'est inconsciemment portée sur le panneau de commande et une musique vivifiante a retenti dans les haut-parleurs. Lisa se mit à chanter en même temps que la chanteuse. La femme n'avait pas de données vocales, mais cela ne l'empêchait pas de chanter de bon cœur et même de faire des vocalises risquées. Ses miniatures étaient probablement trop fortes, car les voitures qui passaient n'arrêtaient pas de klaxonner. Mais ces signes d'attention n'ont fait qu'ajouter à l'excitation. Les gars, je vais bien. Je vais bien. Les haut-parleurs émettent des sons tonitruants et... L'accident est regretté à haute voix. Bien, mais pas assez. Je n'ai jamais pensé que j'étais capable de faire une telle chose. Mais je suis prêt à recommencer et je me fiche de l'opinion publique. C'est comme ça que j'ai dû faire toute ma vie. J'ai dû m'inspirer des meilleurs. Je ne veux plus être le second. Je vais lui prouver que je vaux quelque chose. Ce monologue vivant, digne de la meilleure scène, s'adresse à Sébastien. Ces mots devaient être sur mon cœur depuis longtemps. Mais après les avoir prononcés, Lisa s'est sentie soulagée. Seulement un sentiment de culpabilité. La pitié pour les petits voyages d'affaires de derrière se cachait dans un coin reculé de son âme. « C'est bon, je vais m'occuper de toi. Je suis forte. » Le père, dès ses jeunes ongles, a inculqué à sa fille les meilleures qualités. Il a souvent dit à sa fille que c'est seulement quand elle est jeune. Leur vie semble sans fin. Et à l'âge mûr, les gens considèrent chaque jour qu'ils vivent comme un bonheur. Essayez donc de faire des actions bonnes et utiles. Elle ne comprenait pas le sens de ces mots. Papa, pourquoi faire cela, pour garder chaque jour en mémoire? Tu t'en souviendras plus tard. Aujourd'hui, j'ai aidé une vieille dame, et le lendemain, j'ai sauvé un oiseau. Papa, quand tu triches, c'est une bonne ou une mauvaise action? Les questions de sa fille mettent David dans l'impasse, mais il n'évite jamais de répondre. En général, Lisa pensait qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir ses parents. Ils étaient les meilleures personnes au monde, et chaque jour de sa lointaine enfance était rempli de leur attention et de leur chaleur. Funel était l'enfant le plus tardif de la famille. David et Miranda avaient déjà atteint un âge avancé lorsqu'ils ont décidé d'unir leur destin. Tous deux avaient eu une première expérience infructueuse de la vie de famille, si bien qu'ils se sont rencontrés pendant près de 3 ans avant de s'adresser à l'office d'état civil. Les époux se préparaient également de manière très responsable à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. La future mère a suivi à la lettre toutes les recommandations des médecins. Quant au futur père, il suivait des cours spéciaux, bien qu'à l'époque, les hommes étaient très sceptiques à l'égard de tels événements. Au travail, certains hommes se sont même franchement moqués de lui. « Notre futur père a bien travaillé, il ira peut-être accoucher avec sa femme. S'il le faut, je le ferai. Et il n'y a rien de mal à cela. » À l'époque, accoucher ensemble était une nouveauté parmi nous, et tout le monde ne voyait pas d'un bon œil une telle entreprise. Et la moitié masculine de la population était scandalisée par cette perspective. Parfois, les maris et les pères ont tellement prédit cette innovation importée qu'elle ne prendrait pas racine dans notre pays. En Europe, ils deviennent tous fous à la recherche de l'égalité et de la liberté. Nous avons d'autres traditions et tout est clairement réparti. Les femmes donnent naissance, les hommes élèvent et gagnent de l'argent. Bien que l'on puisse contester la dernière affirmation, personne n'a osé nier l'inviolabilité de la tradition. C'est pourquoi la décision audacieuse de David est restée lettre morte. Et le père n'a pas vu le moment de la naissance accidentelle.
Cependant, cette circonstance n'a pas réduit la joie du nouveau père sur le dernier billet. Ensuite, le salaire a été versé une fois tous les deux mois. L'homme engageait des artistes de la maison de la culture et les amenait dans un zigulier en panne jusqu'à la maison. Le mini-concert donné sous les fenêtres du centre médical a fait forte impression non seulement sur les jeunes mères, mais aussi sur le personnel. Certaines infirmières ont même pleuré. Par excès de sentiments, un tel amour n'est montré que dans les films. Quel homme bon! Bien sûr, Lisa ne se souvient pas des événements de cette époque, ce qui est compréhensible, mais ma mère aimait raconter cette histoire touchante. Et à chaque fois, il y avait de nouveaux détails sur les premiers jours de sa vie. Quand ils t'ont amené pour la première fois pour te nourrir, j'ai même eu peur. Ce jour-là, 8 garçons sont nés et une seule fille. Tous les garçons ont une grosse tête et crient à tue-tête. Devant eux, ma petite fille a l'air d'une Zamora. Tu n'as même pas crié, tu as promis comme un chaton. Bien que Miranda ait parlé avec tendresse des défauts de sa fille. À ses débuts, Lisa n'avait pas vraiment apprécié que sa mère la compare à un chaton abandonné. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle a elle-même donné naissance à son premier fils, que vint. Il est devenu évident que pour la mère, l'apparence de l'enfant n'a pas d'importance. Mais la vie est très dure et n'épargne pas les petits-enfants. Si, pour ses parents, la petite fille était un miracle, son entourage n'était pas de cet avis, la première fois qu'elle a été confrontée à l'injustice à l'école maternelle. Ce jour-là est à jamais gravé dans les mémoires. En souvenir, à la veille des premières vacances de printemps, les enfants ont préparé des cadeaux pour leur maman. En plus de jolis bricolages, il a été décidé de faire plaisir aux femmes avec un petit concert. Les éducateurs ont élaboré un programme et se sont occupés de la distribution des numéros. Pour la première fois dans ma vie consciente, j'ai fait preuve d'initiative. Laissez-moi apprendre une chanson ou un poème. Je suis douée pour la mémorisation. L'un des enseignants a regardé l'enfant d'un air étrange. Il ne suffit pas de bien mémoriser. Il faut avoir un joli visage. Qu'en pensez-vous ? Lisa a vu un autre professeur pousser son collègue durement sur le côté. De quoi parlez-vous devant l'enfant ? Rien d'extraordinaire. J'ai juste l'habitude de dire la vérité. Laissons-la s'habituer. Elle devra entendre souvent à l'avenir qu'elle ressemble à une souris. Elle est si grise et si discrète. Bien sûr, Lisa, âgée de 3 ans et demi, n'a pas compris tout le sens de ce que les éducateurs ont dit, mais sa mémoire est très bonne. Lorsque sa mère est venue la chercher à l'école maternelle, elle s'est présentée devant l'institutrice qui condamnait son apparence, et la fillette a tout raconté d'elle-même. Tous les autres enfants ont été donnés à d'autres enfants. Et je parle bien, et je chante fort. Et Kelly tous. Mais elle est belle. Et maintenant, c'est elle qui va chanter la chanson principale. Lisa a pleuré de ressentiment. Le professeur était prêt à s'effondrer de honte. Miranda essayait de parler calmement, mais sa voix tremblait d'indignation. « Quel genre de casting faites-vous ici ? Qui vous a permis de mutiler le psychisme d'enfant ? Je ne laisserai pas tomber. J'irai demain au département de l'éducation. » Lisa et sa mère n'étaient pas présentes à la fête. L'enseignante, qui s'était distinguée par son comportement indigne, ne s'est plus montrée dans leur groupe non plus. On pourrait se réjouir du triomphe de la justice. Mais ils essayaient toujours de se cacher dans le dos de leurs camarades. Lorsqu'il s'agissait d'événements importants, elle se souvenait du premier jour d'école. Elle se souvient du premier jour de classe. À cette époque, la jeune fille a déjà intériorisé les règles de la société humaine et ne cherche pas à démontrer ses talents. Par habitude, elle se fondait dans la foule de ses camarades, car dans la masse générale, ses oreilles de poulet et ses sourcils incolores sur son visage parsemé de taches de rousseur ne se remarquaient pas. La règle cérémonielle s'est déroulée sans problème et elle s'est jointe à tout le monde pour battre joyeusement des mains. Un grand lycéen portait sur son épaule une élève de première année qui tenait à la main une cloche symbolique en forme de grosse cloche. Bien sûr, au fond de son cœur, Lisa enviait cette fille car elle voulait vraiment être à sa place. Mais elle se rendait compte qu'avec son apparence peu attrayante, c'était impossible. Lorsque les enfants se rendirent dans leur salle de classe pour leur première leçon, un garçon inconnu de l'école se présenta. Un garçon inconnu de la classe de terminale, pointant son doigt vers elle, a crié « Les gars, regardez un film d'horreur ambulant !» Miranda a eu très peur pour sa fille, mais elle lui a dit d'un air nonchalant « Maman, le garçon a probablement voulu m'appeler candidate, parce que j'ai de très grandes oreilles. » Il a juste mélangé les mots. « Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude, et je ne me vexe pas. » Lisa a entendu sa mère raconter à son père l'incident scandaleux. « David, j'ai tellement peur de l'entonnoir et de la raison pour laquelle tout le monde s'en prend à lui. Il me semble que c'est normal pour un enfant. Miranda, ne t'inquiète pas, tu as raison. Lisa est la meilleure,
et la plus belle. Et c'est un caractère bien trempé pour une enfant de 6 ans. C'est ce qui me fait le plus peur. J'ai peur qu'elle ne devienne pas violente. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre, où les complexes de l'enfance ont des conséquences terribles à l'âge adulte. Je suis sûre que Lisa n'aura pas de complexe. C'est une fille très intelligente, qui a rapidement appris les règles du jeu. L'apparence est une question de temps. Nous verrons avec vous le miracle de la transformation d'un vilain petit canard en un beau cygne. Malheureusement, les prédictions de son père ne se sont pas réalisées et Kelly n'est jamais devenue une beauté, mais son apparence discrète n'effrayait plus personne. Et dans l'ensemble, tout le monde à l'école n'y prête pas attention. La jeune fille étant excellente dans tous les domaines, elle est envoyée par l'école aux Olympiades dans différentes matières et revient toujours avec une victoire. Elle se souvenait tout particulièrement du jour de son prochain triomphe, où, dans la compétition intellectuelle, elle s'est retrouvée loin derrière les élèves de l'école secondaire. Mais c'était une pure victoire. Ce jour-là fut l'un des plus heureux de la vie de Lisa. L'élève de 4e devint la fierté de l'école. Elle passe à la télévision et fait même l'objet d'un article dans le journal régional. Mais la célébrité est un phénomène à court terme et Lisa l'a parfaitement compris. Elle a également fini par comprendre que l'intelligence et les connaissances sont encore plus importantes que l'apparence. Le jour où elle a reçu son certificat, personne ne s'est souvenu des droits que les professeurs de Reno lui avaient prédits pour son avenir prometteur. Ses camarades de classe la regardaient avec une envie non dissimulée. La première beauté de la classe, dont le certificat était un solide droit, a délibérément dit haut et fort Lucky Soum Peuple. Elle-même n'est rien, et c'est elle qui a obtenu le certificat d'or. Qui est la malchanceuse ? Lisa a gagné son or honnêtement, et toi tu as eu un certificat d'occasion, parce que tu es comme la libellule de la fable de Krylov. Je vous envie. Lisa sera accueillie à bras ouverts dans n'importe quelle université. Que diriez-vous d'entrer dans une université médiocre ? Les parents ont regardé leur fille depuis la ligne de touche, et ont tous deux pleuré de bonheur. Miranda, quelle merveilleuse fille nous avons élevée. On a dit tant de bien de Lisa aujourd'hui. Je dois te dire, chère épouse, que je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. David, aujourd'hui est aussi le plus beau jour de ma vie. Même le jour de notre mariage, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon cœur. Il y avait encore une personne, ou plutôt une fille, qui était sincèrement heureuse des succès de Lisa et triste de ne plus la rencontrer dans le couloir de l'école lors de la grande récréation. C'est ce qu'a ressenti Cindy en cette journée ensoleillée de juin, pour qui Kelly était encore plus qu'une amie. Toutes les personnes se répartissent en deux catégories. Certains se réjouissent sincèrement de la réussite de leurs amis. D'autres ne le sont que du bout des lèvres, mais au fond d'eux-mêmes, ils envient les plus chanceux et rêvent de se venger d'eux. Lisa avait aussi ses ennemis. Mais toutes les tentatives des détracteurs pour déstabiliser l'excellente jeune fille ont échoué. Et quand elle a découvert par hasard une souris dans son sac à dos d'écolier. Contrairement aux attentes des organisateurs de cette action, elle ne s'est pas précipitée. Elle a posé l'animal dans la paume de sa main et a même caressé le dos de la souris. Par la suite, Lisa a libéré la souris. Certains rient dans le dos de la jeune fille. Le pêcheur voit le pêcheur et la souris sans la souris. En termes simples, un homme ne fera pas de mal à son propre fils. La fois suivante, l'un des plaisantins a enduit de colle de menuisier la chaise où s'asseyait le meilleur élève. Mais cette aventure n'a pas fonctionné non plus. Lisa a remarqué de loin la lueur suspecte. Et au regard tendu de l'un de ses camarades de classe, elle déduit sans équivoque l'auteur de la farce et lui adresse une requête. « Robert, ta chaise est un peu plus haute. Je ne suis pas à l'aise sur celle-ci. Changeons de place. » Le garçon rougit. Ce que le professeur prit pour un signe de timidité. Si une fille le demande, un vrai homme doit céder. Après cela, Robert n'avait nulle part où se réfugier et il resta collé à la table pendant toute une corne. Ses amis l'ont ensuite longuement éloigné des meubles, mais son pantalon n'a pas pu être sauvé. Après les cours, les Cosaques attendaient Lisa près de l'école. « Tu te crois si intelligente ?» Lisa rit au nez du perdant des Cosaques. « Tu connais la loi du boomerang. C'est ce que tu as obtenu. Tu ris trop, assieds-toi. La prochaine fois, nous aurons une autre conversation. Considérez que ce sont vos derniers jours. Et j'ai allumé le compteur Cosaque avec tes compétences en mathématiques. Tu vas sûrement me dire au revoir. » La jeune fille rit à nouveau et se dirigea vers la maison. Elle entendit Robert lui crier après et cliqua. « Celui qui rit le dernier gagne toujours. Maintenant, c'est mon tour. » En 5 minutes, Lisa avait oublié les menaces de sa camarade, mais 2 jours plus tard, elle devait se souvenir des paroles de Robert. Pour gagner du temps, Lisa, comme beaucoup d'enfants de son quartier, traverse un petit parc.
Ce n'était pas un endroit très fréquenté par les habitants de la ville, alors tout le monde essayait de le traverser le plus rapidement possible. Lisa accélère également le pas lorsqu'elle se retrouve dans le parc. Elle remarqua de loin un groupe d'adolescents près de la fontaine, qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Un groupe d'adolescents. Il était trop tard pour reculer. Et Lisa ne se permit pas de montrer la moindre faiblesse. Elle accéléra encore son allure, espérant passer le cordon ennemi. Mais des Cosaques lui barrent la route. « Eh bien, des forces? De qui allons-nous nous moquer ?» La foule des spectateurs applaudit. « On pourrait peut-être la baigner dans la fontaine, mais ça ne marche pas. Alors comment la punir ?»« Les gars, j'ai une exclusivité pour notre meilleur élève. Vous voyez, il y a des bâtiments, avec les lettres P et G. Et G. Robert, tu es l'homme de la situation. Les gens sont avides d'un spectacle haut en couleur. Au moment où l'accident s'est produit, j'ai réalisé que j'aurais dû partir d'ici. Il était trop tard. » Des adolescents l'ont entourée, puis l'ont prise par les bras et l'ont traînée dans les toilettes de la rue. Elle a hurlé contre l'un de ses agresseurs et lui a même donné un coup de pied dans l'œil. Mais les forces en présence sont manifestement inégales. Quelque part sur le côté, Kia a poussé un cri de fillette. Puis il y a eu le bruit d'un coup violent, suivi d'un autre cri. Mais là, c'était l'une des hordes de justiciers. Lisa n'eut pas le temps de réaliser quoi que ce soit, car le cri de guerre retentit à nouveau et un autre délinquant commença à se tordre de douleur sur le sol. Le reste du trio s'éclipsa. Bavaria regarda, les yeux ronds, la jeune fille d'environ 12-13 ans et n'arrivait pas à croire que deux adversaires vaincus étaient son œuvre. La jeune judoka lui tend la main. Cindy s'est mise en couple et a accepté le geste amical, car c'est là que je me trouvais après l'école. Je passe toujours par le parc. Enfin, bref. Je t'ai entendu crier de loin et je me suis précipitée pour t'aider. Dis, Cindy, où as-tu appris à faire ça ? La jeune fille est soudain embarrassée. C'est mon père qui m'a appris. C'était un champion. Mais il s'est cassé le bras et a dû se retirer des grands sports. Il est maintenant entraîneur. Je m'entraîne depuis 6 ans. Je suis déjà ceinture bleue et je serai bientôt ceinture marron. Bien que Lisa ne comprenne rien à l'éthique sportive et aux arts martiaux, elle s'étira de manière significative. Elle s'étira significativement. C'est très bien. La jeune fille, Cindy, se réjouit de l'éloge qui lui était fait. Cela fait longtemps que je veux te rencontrer, mais j'ai hésité à t'approcher. Et maintenant, je suis là. Pardonnez-moi de vous demander pourquoi vous avez hésité à m'approcher. Vous êtes un étudiant d'honneur. Et vous avez un an de plus que moi. Cindy, vous êtes adorable. Est-ce que l'âge et d'autres petites choses ont de l'importance quand les gens sont amis ? La fille enchantée a regardé Lisa. Tu seras mon amie. Bien sûr, maintenant je dois te remercier de m'avoir sauvée. Tu te rends compte que je ne parle pas d'argent et d'autres choses. Tu as peut-être des difficultés dans une matière. Cindy a sauté de joie. J'échoue en maths. Je n'arrive pas à comprendre le cosinus et le moins. Ne te sens pas mal. Je vais t'aider. On peut commencer le cours de maths aujourd'hui. Depuis ce jour, Cindy est devenue une visiteuse assidue de la centrale. Les filles s'entraînaient tous les jours à 2 heures, puis buvaient du thé, avec les délicieux cônes que Miranda leur préparait. Mais c'est surtout David qui est heureux. C'est très bien que tu aies une vraie amie. La jeune fille corrigea son père. Papa, tu veux dire amie et non fille. J'ai dit ce que je voulais dire. Tu vois, ces mots qui ont la même racine ont des significations légèrement différentes. Tu peux traîner avec une amie, lui parler, partager tes sentiments, mais seul un ami peut te protéger. Cette fille, Cindy est une vraie amie. J'espère ne pas me tromper à son sujet. David a fait la bonne prédiction au sujet de Cindy. La jeune fille, qui a grandi dans une famille d'athlètes, avait une forte volonté et était toujours ouverte au contact. Elle n'a jamais payé de sa personne, bien qu'elle ait aussi de quoi être fière. Bientôt, les amis ont commencé à parler d'une paire d'oies. Oui, Gagarine, bien que Dieu l'ait offensée en termes de beauté, avait une ambition hors du commun. Les filles n'ont pas prêté attention aux mots, d'autant plus qu'elles ne se sentaient pas inférieures. Grâce à une bonne éducation et à une bonne compréhension des objectifs de la vie, les deux écolières avaient déjà été formées en tant qu'individus. C'est pourquoi elles traitaient ces conversations exactement comme un adulte perçoit les espiègleries d'un enfant. La seule chose qu'elles regrettaient était la séparation à venir. Mais les filles ont trouvé un bon moyen d'éliminer cet obstacle. Lisa s'est inscrite à Bomanka pour se spécialiser dans le génie logiciel et la nanotechnologie. Il s'agissait d'orientations totalement nouvelles. Et beaucoup de garçons rêvaient d'exercer un métier d'avenir. C'est pourquoi, pour la première fois de sa vie, Lisa a dû se battre pour obtenir une place d'égal à égal,
car parmi les candidats, il n'y avait pratiquement que des médaillés. Il y a eu un moment délicat où la jeune fille a failli abandonner. Elle a appelé Cindy pour obtenir des conseils de l'OTAN. « Vous n'avez aucune idée du nombre de médaillés au mètre carré. J'ai même peur. » Son ami lui répond calmement. « C'est normal d'avoir peur. Ce qui est grave, c'est que les gens paniquent. On dirait que tu es au bord du désespoir. Je ne comprends pas pourquoi tu paniques. Moi aussi, j'ai peur quand je monte sur le tatami et que je ne connais pas mon adversaire. Mais c'est la philosophie de tout combat. Vaincre la peur et gagner. Dans votre cas, c'est beaucoup plus facile parce que vous devez surmonter votre propre peur. Voilà, c'est fait. Lisa a passé avec succès les tests complémentaires et a été admise à la faculté. La première année dans un établissement d'enseignement est considérée comme la plus difficile. Elle passe donc tout son temps à étudier. Mais la charge de travail, comme aimait à le dire l'étudiante d'une université prestigieuse, ne l'empêchait pas de parler à son amie une fois par semaine. Au cours de conversations téléphoniques d'une heure, les filles se racontent les principaux événements, partagent leurs projets. Au cours de l'une de ces sessions, Cindy raconte joyeusement à Lisa « J'ai décidé d'entrer à Sechnov à la fin de l'année. J'ai décidé d'entrer à Sechnov à la faculté de psychologie du sport. Nous pourrons donc bientôt nous voir en personne. C'est très bien. Mais qu'en est-il des grands sports? Tu rêvais de gagner des championnats, n'est-ce pas? Ma fille, c'est toi qui m'as dit que je devais être réaliste sur ce que je pouvais faire. » C'est ce que j'ai fait, et j'ai réalisé que jouer pour l'école est une chose, mais que jouer pour le pays est une autre responsabilité. Bref, je ne suis pas à la hauteur du plus haut niveau. Et la durée de la vie sportive est trop courte. J'ai donc décidé de me consacrer à une autre activité utile. Après tout, former de futurs champions est aussi une activité honorable. Bien que la voix de Cindy ait glissé des notes tristes, il était clair qu'il s'agissait de la fille de Cindy. Il était clair que c'était la décision finale de la jeune fille. Lisa décida de lui remonter le moral. C'est peut-être vrai. Il faut planifier sa vie en pensant à l'avenir. Et je suis très heureux pour toi. Cindy est entrée à l'université du premier coup. Bien que les notes de la jeune fille n'aient pas été très bonnes. Mais ses mérites sportifs ont joué un rôle décisif. Cette période a été marquée par un autre événement surprenant qui a rapproché les filles. Entre leurs parents, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amitié. En effet, les préoccupations et les expériences communes unissent les gens. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, Lisa rêvait secrètement d'un grand et bel amour. À l'école, elle lisait des romans populaires, dans lesquels il y avait plus de tragédie que de bonheur. Pendant des jours, la jeune fille marchait sous l'impression du livre qu'elle avait lu. Il est vrai qu'elle ne partageait ses expériences avec personne. Même avec Cindy, elle ne parlait pas de ce sujet. Et la raison de cette réticence était son apparence. Bien que Lisa se soit habituée au fait que tout le monde la considérait comme un cancre, son être ne voulait pas supporter cet état de fait. C'est pourquoi la jeune fille a commencé à expérimenter un peu avec les produits cosmétiques et cela a plutôt bien marché. Cindy s'y connaissait très bien en maquillage et les leçons de son amie allaient dans le sens d'une apparence modérée. Après son entrée à l'université, la jeune fille a oublié que son apparence ne correspondait pas aux critères de beauté. Tout d'abord, elle n'était pas à la hauteur ici. Ensuite, la plupart des étudiantes ressemblaient à Lisa et de nombreuses filles portaient des lunettes à verre renforcées. C'est cette circonstance qui l'a aidée à oublier son désavantage. Au cours d'une réunion avec une amie, Kelly décide d'aborder le sujet tabou. Cindy, tu as probablement beaucoup de prétendants au cours. Tu es tellement à la mode et tu t'habilles avec audace. L'amie a regardé Lisa d'un air étrange. Lisa, ta naïveté me surprend. Tu n'as qu'un an de plus que moi. À notre âge, une année n'a pas d'importance. C'est vrai, mais je n'ai pas parlé de l'âge par hasard. N'as-tu pas réalisé que la vie est essentiellement une lutte pour une place au soleil? C'est un processus de sélection naturelle mis en œuvre par la nature elle-même. Vous avez appris la biologie à l'école et vous savez très bien que les plus forts survivent dans ce processus. Sinon, ils sont écrasés. Pour atteindre la ligne d'arrivée, tous les moyens sont bons. C'est pourquoi le mimétisme est très répandu dans la nature vivante à tous les niveaux, y compris dans la société humaine. Lisa regarda longuement son amie, les yeux écarquillés, et ne put s'empêcher d'être surprise. Était-ce vraiment la petite fille trapue qui était douée pour la lutte? Non. Maintenant, elle voyait devant elle une fille instruite, sûre d'elle, et capable de philosopher librement. Cindy, je ne cesse de m'étonner de toi, où as-tu trouvé tout cela? Tu ne le croirais pas, mais c'est ton école. J'avais l'habitude d'attraper chaque mot que tu disais à la volée. Et tu m'as convaincu jour après jour que la connaissance est la base de tout. Et, bien sûr,
Ma future profession a beaucoup à se faire pardonner. Oui, je suis dans une bonne situation en ce qui concerne les rendez-vous. Pourquoi m'as-tu demandé ça? Je n'en sais rien. Sans raison, je suppose. Je veux dire, à notre âge, on est censé avoir un petit ami. Cindy fit remarquer à Lisa avec une irritation gagnante. Je ne te reconnais pas, où sont passées ton assurance et ton optimisme? Qu'est-ce que l'âge vient faire là-dedans? Lisa essayait de contrôler son excitation, mais l'excès de sentiments ne lui permettait pas de se maîtriser. Cindy se rendit compte que sans une bonne secousse, elle ne dirait rien. Elle se réveilla en poussant un cri de guerre et s'amusa à mettre son amie sur ses omoplates. Mais honnêtement, c'est drôle de te voir rester comme une fille de gymnase. Elle rit et la rigidité intérieure disparaît. Tu as pris une comparaison malheureuse entre une fille de gymnase moderne et quelqu'un qui a 100 points d'avance. J'avais l'habitude de penser que les relations avec le sexe opposé étaient, pour le moins, un sujet tabou pour moi. C'est n'importe quoi. C'est toi qui as fait le réglage dans ta tête. Tu n'as qu'à appuyer sur l'interrupteur et profiter de la vie. J'ai su, par une série de phrases non prononcées, qu'il se passait quelque chose sur le plan personnel et je ne me suis pas trompée. Lisa expira de soulagement. J'avais mis dans le mille. Oui, j'ai un jeune homme, mais par manque d'expérience pratique, je ne sais pas comment me comporter avec lui. Comme, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'inventer des stratagèmes. Si tu aimes vraiment quelqu'un, dis-le à ton héros secret, tu l'aimes ? Une sorte de sourire béat apparut sur le visage de la jeune fille. Cindy, je ne sais pas exactement, mais je crois que oui. Il me met à l'aise. On peut parler de tout. Et honnêtement, je ne veux pas le quitter. C'est un très bon début. Et c'est ainsi que l'amour commence le plus souvent. Mais il ne faut pas perdre la tête. Les avertissements d'un ami sont passés en coup de vent et ne se sont pas installés dans l'esprit d'une femme amoureuse au Mariinsky. Qu'elle soit amoureuse de Sébastien ne fait aucun doute. Leur première rencontre ressemble à l'intrigue des romans qu'ils ont lus précédemment. L'étudiante de deuxième année doit préparer d'urgence un essai et se rend à la bibliothèque de l'université. Sébastien est déjà en train de travailler sur un travail similaire à un bureau voisin. Ils s'étaient déjà croisés dans les labyrinthes confus de l'université, mais ils ne se connaissaient pas intimement. Cette fois, lorsque Lisa apparut, Sébastien la salua d'un geste. Elle lui répondit par un hochement de tête, ses cheveux soigneusement coiffés en tresses et en nattes. Absorbés par leur travail, les jeunes gens ne remarquent pas que l'obscurité est devenue totale à l'extérieur des fenêtres. La salle de lecture est vide. La bibliothécaire leur a demandé à plusieurs reprises de quitter la salle, mais ils ont demandé une minute de plus. Constatant que ces supplications n'avaient aucun effet sur les étudiants fanatiques, la bibliothécaire a éteint les lumières. C'était inattendu. Les jeunes sont désorientés et tentent de trouver une issue dans l'obscurité. Mais dans une pièce inconnue, les obstacles sous forme de chaises, de tables et d'autres meubles se trouvaient à chaque coin de rue. Sébastien a ri. Et je me sens maintenant comme le héros d'un jeu vidéo, pour passer au niveau suivant, où une tente sévère m'attend derrière la porte. Toi et moi, nous devrons franchir une douzaine d'obstacles. Lisa était amusée, elle aussi. Leur situation n'est pas facile. Mais si toi et moi n'arrivons pas à temps, le tableau d'affichage au-dessus de la porte s'allumera, et nous serons coincés ici pour toujours. Nous devons donc nous dépêcher, avant que la gentille dame ne ferme, la porte à clé. Donne-moi la main. À deux, ce sera plus facile de contourner tous les obstacles. Et nous aurons une chance supplémentaire. Le jeune homme serra fermement la main de la jeune fille et s'engagea le premier sur le chemin de l'inconnu. Aussitôt, le grondement des meubles qui tombent se fait entendre. Aussitôt, la lumière jaillit et, dans l'embrasure de la porte, se dessine la formidable silhouette d'un bibliothécaire. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots ? Sébastien répondit nonchalamment à la question par une autre question. Pourquoi avez-vous éteint les lumières ? Vous pensiez que nous allions nous casser les bras et les jambes dans le noir ? Combien de fois dois-je vous avertir ? Que puis-je faire, si vous ne comprenez pas les mots russes ? Lisa n'imaginait pas qu'un dialogue de simples questions pouvait être aussi intéressant. Finalement, la tante très peu aimable a promis de se plaindre d'eux au bureau du doyen. Notre université est faite pour les gens honnêtes. Des scientifiques célèbres ont étudié ici. Et vous ? Nous avons encore un long chemin à parcourir. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, vous vous souviendrez que vous avez expulsé 2 lauréats du prix Nobel. De votre bibliothèque. Et croyez-moi, vous aurez vraiment honte de votre mauvaise action. Sébastien salua la dame, déconcerté par la confusion, et ils sortirent en riant dans la rue. Je dois maintenant vous raccompagner. Une connaissance aussi vive demande à être poursuivie. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? L'excitation emplit l'âme et le corps.
et Lisa, sur le ton de la plaisanterie, répondit « Si nous avons commencé le jeu tous ensemble, alors, logiquement, nous devrions passer à tous les niveaux suivants ensemble. Tu sais, c'est une comparaison très pertinente. Mais j'aimerais vraiment que notre relation devienne plus qu'un jeu d'ordinateur. Je veux dire, nous ne sommes pas des personnes peintes, nous sommes de vraies personnes. Je ne suis pas non plus opposée à ce développement. Mais il y a une chose. » Le jeune homme regarde la fille avec surprise. « Laissez-moi deviner. Êtes-vous mariée ? Non. Alors vous êtes une extraterrestre. Et votre transporteur spatial vient vous chercher en ce moment même ? Non non plus. Alors j'abandonne. On ne s'est pas encore rencontrés. Mais maintenant, on va se rattraper. D'ailleurs, je sais que tu t'appelles Lisa. Et moi, je m'appelle Sébastien. » Lisa riait de bon cœur aux plaisanteries du jeune homme, et de ce fait sur son visage, il y avait un rougissement dans ses yeux audacieux et pétillants. Le jeune homme l'admire ouvertement. « Lisa, si tu savais, comme tu es belle. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi belle. » C'était la première fois que Lisa entendait de tels mots, et elle se sentit étourdie par le bonheur. Après seulement quelques semaines, Kevin et Sébastien se sentent très attachés l'un à l'autre. Le jeune homme, avec sa plaisanterie habituelle, expliqua ce phénomène comme suit « Lisa, nous avons de la chance de nous être rencontrés si rapidement. As-tu entendu la belle légende des nouveautés ? Bien sûr que oui. Et tu dis que nous faisons partie d'un même ensemble ? Pensez-vous le contraire ? C'est juste que nous ne sommes pas éparpillés dans le monde comme les autres, mais nous sommes jetés au même endroit. Je suppose que c'était la fin de la journée et qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais cela pourrait arriver si nous ne saisissons pas la chance que les anges nous ont donnée. « Sébastien, tu parles toujours par énigme. Ne suffit-il pas que nous nous rencontrions tous les jours ?» La jeune fille sentit à nouveau le regard aimant du jeune homme. Il l'attira doucement à lui et l'embrassa. « Je ne veux pas sortir assez, je veux plus que cela, je veux te voir à chaque instant, sentir ton souffle. » Lisa se tait et attend avec impatience la suite de cette chanson d'amour. Mais Sébastien conclut sa confession de manière succincte. « Marions-nous. Sébastien et l'école ?» Et qu'est-ce qu'on va dire à nos parents ? Lisa, écoute-moi. Toi et moi sommes des adultes, et nous devons prendre nos propres décisions. Un timbre de passeport est-il un obstacle à l'obtention d'un diplôme ? Probablement pas. Tout à fait. Et dis-moi, pourquoi devrions-nous, toi et moi, être soumis à une norme ? Tu ne veux pas faire quelque chose sans être obligé de prendre toi-même des décisions importantes ? Sébastien, j'aimerais bien, mais comment vivrions-nous normalement ? Crois-moi, il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu. Mes parents se sont mariés alors qu'ils étaient étudiants. Et je suis arrivée un an plus tard. Cela ne les a pas empêchés de faire des études et de gravir avec succès les échelons de la carrière. Imaginez la surprise des gens lorsqu'ils apprendront que vous et moi formons déjà une famille. C'est peut-être le désir de surprendre tout le monde qui a poussé ces jeunes gens à se marier en secret, sans en parler à personne. Ils ont posé leur candidature. Le printemps est arrivé, et le monde entier est né dans des tenues fleuries. Les cœurs des deux amoureux étaient également remplis d'un sentiment printanier. Ce n'est que la veille de l'événement important que Lisa a tout raconté à Cindy. Son amie n'a pas pu reprendre ses esprits pendant une dizaine de minutes. « Lisa, es-tu devenue folle ? Et comment cela se manifeste-t-il ? Eh bien, par exemple, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire pour aller à l'état civil en jeans et en t-shirt ? Et au lieu d'une photo, votre tête sera ornée d'une casquette de baseball avec une stupide inscription en anglais dessus. La confiance de la mariée s'est un peu effritée, mais elle n'a pas abandonné. À vous entendre, je n'ai rien à me mettre. J'ai un bon costume classique et une bonne paire de chaussures. D'ailleurs, je suis venue vous voir en espérant trouver du soutien et de l'aide. Et vous ? Et je vous dois une solution d'urgence pour combler vos lacunes. Dites-moi, pour quel péché ? Donnez-vous à vos parents ? Tu ne comprends pas dans ta tête remplie de formules ? Quel est l'événement le plus important de leur vie ? Le mariage de leur fille unique ? Je ne sais pas comment ça se passe dans la famille de Sébastien, bien sûr, mais je suis sûre que ses parents seraient choqués eux aussi. Clara se rendit compte que son amie avait raison. Et que ferais-tu à ma place ? Je ne serai jamais à ta place, parce que je ne suis pas aussi frivole. Mais je vous conseille de reporter. Non, Cindy, ils disent que ça porte malheur. Sur l'insistance de Cindy, les futurs mariés ont appelé d'urgence leurs parents pour s'assurer que la cérémonie de mariage serait aussi bien que les autres. Ils ont dû faire appel à un service de location. Mais les parents des futurs mariés n'ont jamais repris leurs esprits. Ils ne comprenaient guère ce qui se passait. C'est pourquoi toutes les questions devaient être réglées par Cindy.
lorsque les auteurs de l'agitation ont apposé leur signature au bureau de l'état civil, David a demandé, non sans ironie, « Et où nos jeunes mariés ont-ils l'intention de s'installer ? Et où nos jeunes mariés ont-ils l'intention de passer leur lune de miel ?» Lisa et Sébastien se regardèrent d'un air confus, mais le nouveau mari se montra plus ingénieux. « Nous passerons nos examens et nous irons travailler dans une équipe de construction. » John aime l'idée que son fils se fait de la vie de famille. « Quand j'avais son âge, j'étais aussi audacieux et effronté. » D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise option pour les jeunes mariés. C'est une question de romantisme, vivre dans des tentes, des moustiques, des repas partagés, et beaucoup de travail très dur. L'homme se tourne vers les parents de la mariée. « C'est moi qui taquine leur progéniture à mon sujet. Je me suis mariée quand j'étais étudiante. » Christina, la maman de Sébastien, a contribué à la discussion d'un sujet important. John, c'était une autre époque. Et maintenant, regarde toutes les choses laides qui se passent ici. Parfois, on ne veut pas regarder. Miranda était d'accord par solidarité féminine. Et seul David restait silencieux. Les jeunes mariés restèrent assis, silencieux. L'événement important fut célébré dans un petit restaurant où il n'y avait personne d'autre que les mariés. La mère de Sébastien continue d'exprimer son mécontentement à l'égard de la vie moderne, mais elle amène clairement la conversation sur un sujet plus important. Finalement, elle repousse facilement son mari. « John, qu'est-ce que vous agonisez tous sous votre haleine ? Tu ne vas pas laisser nos enfants se promener dans des tentes, dévorés par d'impitoyables moustiques. » John jette un coup d'œil en direction des jeunes mariés. « Christina, une équipe de construction, c'est génial. C'est une bonne option pour les athlètes de l'extrême. » S'ils sont si indépendants, qu'ils s'occupent désormais de leurs problèmes et assument la responsabilité de leurs actes irréfléchis. Mais John est notre fils unique. David a dit calmement. Mes amis, levons nos verres aux jeunes, même s'ils nous ont confié PJ. Pardonnons-leur cette petite chose. Conseil et amour. Cindy a joyeusement crié douze amers. Après les toasts en l'honneur des jeunes mariés, le père de Kevin reprend la parole. Ma femme et moi avons décidé de nous occuper de leur hébergement. J'ai déjà réservé une chambre d'hôtel pour deux nuits. Il ne nous reste plus qu'à trouver un logement bon marché. Ils ne peuvent pas aller dans une auberge. John secoue la tête et répète pour la troisième fois en une soirée que son fils est allé le voir. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les gènes ne bougent pas le petit doigt, car je suis un fils. Merci, beau frère. Je vous soutiens pleinement. Franchement, je n'ai vraiment pas envie d'envoyer leur équipe de construction quelque part plus près des marécages, mais par l'exemple de l'entremetteur obligé de faire preuve de clémence. Nous organiserons un voyage pour deux dans un endroit tropical. Pour la première fois de la soirée, les jeunes mariés ont élevé la voix. Youpi, nous allons faire un vrai voyage de noces. Même si ce n'est pas sans aventure. Leur vie conjugale a commencé de manière romantique. Mais la période douce s'est vite terminée et a coulé ces derniers que plus tard. Grisaille de la vie quotidienne. Les écueils de la vie familiale apparaissent aussitôt. Bien que les parents aient toujours gardé les épaules prêtes à les mettre en place à temps, le jeune couple a eu du mal à s'en sortir. Le jeune couple n'a pas eu la vie facile. En effet, les cours, les crédits et les sessions ne se combinaient pas avec une vie de famille normale. Et puis il y a eu la grossesse. Barranqui a dû revoir ses plans pour l'avenir proche. Le bien-être de la future mère suscite l'inquiétude et Sébastien déclare résolument « Nous devons prendre un universitaire ». Mais les parents du jeune couple s'opposent catégoriquement à une telle décision. Christina, en particulier, insiste pour poursuivre ses études. « Nous ne devons en aucun cas faire une pause dans leurs études. Ce serait encore plus difficile. » Miranda a soutenu la maman de Sébastien. « Dans quelques mois, je prendrai des vacances bien méritées. » Bien sûr, je voulais encore travailler, mais pour le bien des enfants, je partirai comme il se doit. Je les aiderai. Je les laisserai étudier, et je m'occuperai de mes petits-enfants. Le jeune couple a accepté avec joie un cadeau aussi généreux. Mais au fil du temps, de plus en plus de sacrifices sont demandés. Kevin et Sébastien les considèrent comme une démarche obligatoire de la part de la génération plus âgée. L'aide parentale leur a rendu la vie si facile qu'après la naissance de Kevin, ils ont décidé d'avoir un autre enfant 3 ans plus tard. Cette fois, il s'agissait d'une fille à laquelle les deux grands-mères n'ont pas consacré leur âme. Miranda et Christina vivaient pratiquement dans la maison de leurs enfants. D'où vient le mécontentement des hommes ? John était le plus rancunier. Christina, combien de fois devras-tu les dorloter ? Ne penses-tu pas que nos enfants sont assis sur nos têtes et nos pieds en train de briller ? La femme tente de résister, mais il est évident qu'elle est très fatiguée depuis plusieurs années. John, je comprends ton indignation, mais qui va les aider, si ce n'est nous ?
Sébastien voyage seul avec deux enfants et un travail. Qu'elle quitte donc son travail et s'occupe de sa famille. John, réfléchis à ce que tu dis. De quoi vont-ils vivre? Tu aurais dû y penser avant. D'ailleurs, Sébastien gagne bien sa vie, et si vous modérez un peu vos appétits, vous pourrez vivre avec son salaire. Lisa. Elle a beaucoup de talent. Et elle a une brillante carrière devant elle. Une femme doit choisir entre le travail et la famille. Christina n'a pas apprécié. Toutes ces années à vivre avec toi, je n'ai pas réalisé. John, que tu avais de telles croyances? Les parents de Lisa se disputaient aussi à ce sujet. Mais les discussions n'étaient pas aussi animées. Mais, malgré le comportement franchement dépendant des jeunes, les parents faisaient de plus en plus de sacrifices sur l'autel du bonheur familial. Entre-temps, la relation entre les époux s'est également fissurée. Parfois, Lisa ne reconnaissait pas son mari. Elle ne comprenait pas d'où venait sa gaieté et ses plaisanteries de marque. De plus en plus souvent, le chef de famille rentrait à la maison irrité et, pour ne pas gâcher l'ambiance, s'enfermait dans son bureau. Depuis longtemps, la famille a remplacé le logement, loué par sa propre maison dans la région de Moscou. L'achat d'un bien immobilier. Pas aider les parents. Même si, de l'extérieur, tout semblait prospère. Mais l'intuition dit à Lisa que la structure familiale de son bonheur n'est pas solide et qu'elle est sur le point de s'effondrer. Et bientôt, la femme a reçu la confirmation que ses prémonitions ne l'avaient pas trompée. Lorsque Sébastien revient d'un autre voyage d'affaires, elle commence à trier ses affaires par habitude. Non, elle ne trouve aucune trace de rouge à lèvres, et les chemises de son mari n'exhalent aucune odeur de parfum français. Mais une petite carte de visite sur laquelle figurait le numéro de téléphone d'une certaine Cathy s'est envolée de la poche de son pantalon. Il n'était pas dans les plans de cette femme de provoquer une scène de jalousie. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes portant ce nom dans le monde. Après tout, entre celle-ci et l'inconnue Cathy et son mari, il pouvait s'agir d'une simple relation d'affaires. Animée des meilleures intentions, elle place la carte bleue à l'endroit le plus visible. Mais la femme ne s'attendait pas à une réaction aussi violente de la part de son mari. Sébastien cria et agita les mains en signe d'indignation. « Je ne m'attendais pas, femme, à ce que tu te retournes pour quelque chose d'aussi insignifiant que de vérifier mes poches. » La femme était abasourdie par un tel assaut. « Sébastien, pourquoi me cries-tu dessus? Cette carte est tombée de ma poche. Et je ne te reconnais plus depuis quelque temps. Tu n'es plus le même. » Effrayé par les cris des parents, Kevin sort de la chambre d'enfant. « Maman, est-ce que papa et toi vous vous disputez ?»« Non, fiston, on ne fait que parler. La fille a dit que vous vous disputiez. Alors j'ai pensé jeter un coup d'œil. C'est bon, va dans ta chambre. » L'homme s'est un peu calmé, mais il a décidé de mettre les choses au clair. « Lisa, je te préviens, si je vois quelque chose d'autre. » Les yeux de la femme s'assombrirent et elle regretta de ne pas avoir suivi l'exemple de Cindy. Elle avait envie de crier après. Son mari. Mais elle étouffa sa colère et coupa court au torrent de menaces et de reproches. Ne parle plus jamais comme ça. C'est un avertissement. Cela a fonctionné sur Sébastien. Mais à partir de ce jour, les relations du couple se sont complètement détériorées. Lisa décida donc de ne pas dire à Sébastien qu'elle était à nouveau enceinte. Les femmes n'ont pas perdu l'espoir que leur foyer douillet brille à nouveau de mille feux. Ce n'est pas pour rien que les gens disent que les ennuis ne marchent jamais seuls. Les relations tendues au sein de la famille et les problèmes non résolus liés à la troisième grossesse sont venus s'ajouter à un autre événement désagréable. À peine les fêtes de fin d'année terminées, le père de Sébastien appelle. « Fils, viens de toute urgence avec maman, elle est en soins intensifs. » John n'explique pas au téléphone ce qui s'est passé. Mais à son ton, Sébastien comprit que la situation était grave. Il jette un coup d'œil à sa femme. « Je vais prendre la voiture. » « Sébastien, mais c'est dangereux. Les routes sont verglacées, il vaut mieux prendre le train. » L'homme regarde sa femme, comme s'il voulait la vivre avec ses yeux. « Vous ne vous rendez pas compte que ma mère est aux soins intensifs? Elle ne va pas bien du tout. S'il te plaît, ne me crie pas dessus. Je m'inquiète pour toi. J'en ai assez de tes préoccupations incessantes. » Au matin, l'accident a révélé que Sébastien n'avait pas survécu. Sa belle-mère est décédée d'un accident vasculaire cérébral sans avoir repris connaissance. Le mari a très mal vécu cette perte. Il s'est complètement replié sur son chagrin et a même cessé de communiquer avec ses enfants. Mais Lisa devait résoudre d'urgence le problème de sa grossesse. Il était impossible de la remettre à plus tard. Lorsque son mari rentra tard dans la nuit, il trouva Lisa dans le salon. Il grommela, mécontent, « Qu'est-ce que tu fais debout si tard ?»« Sébastien, il faut qu'on parle. Pas de ça. Tu ne vois pas que je m'endors ? Je ne fais pas la fête non plus. J'ai une vie. »
et j'ai des enfants sur les bras. Tu ne t'intéresses pas à leurs affaires, et ils t'en veulent, surtout que vin. » L'homme s'assit fatigué sur le canapé à côté de sa femme. Pendant une seconde, Lisa eut l'impression que tout était redevenu normal. Sébastien attira sa femme à lui. « Je suis désolé, je t'ai fait beaucoup de mal ces derniers temps. Mais c'est le prix de notre existence. La mort de ma mère m'a beaucoup affecté. Sébastien, je comprends. Je ne suis pas moi-même parfois. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. C'est certain. Nos mères nous ont beaucoup aidés, et maintenant nous devons nous débrouiller seuls. C'est bon, on peut y arriver. Les enfants plus âgés sont grands. Alors arrête, Lisa. Tu as parlé d'enfants plus âgés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis enceinte, et je dois faire quelque chose, parce que je suis critique. » La femme ne s'attendait pas à ce que la nouvelle mette son mari dans tous ses états. « Je suis étonnée que tu sois une adulte, et que tu te comportes parfois, comme une enfant de 5 ans. Tu ne réalises pas que nous n'avons pas besoin de cet enfant ? Pourquoi as-tu attendu la dernière minute ?» Des larmes, du ressentiment et des torrents de chaleur ont coulé sur mes joues. Contre toute attente, Lisa a commencé à se justifier auprès de son mari. « Tu es toujours en train de te promener, mécontent. J'avais juste peur de t'approcher. J'attendais le bon moment. C'est alors que le malheur a frappé et que les choses se sont enchaînées. » Sébastien montre le ventre de sa femme. « C'est là que se trouve le vrai désastre. Tu n'aurais pas dû laisser cette grossesse se produire. Mais laisse-moi te dire que je n'étais pas le seul concerné. J'ai parfois l'impression que tu fais les choses express pour me contrarier. Sébastien, comment peux-tu dire ça ? C'est notre enfant à tous les deux, et ce n'est certainement pas de sa faute. Je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet, mais ma décision est claire. Tu dois te débarrasser de cette grossesse. Nous avons assez de deux enfants. » Le lendemain, Lisa subit un nouveau coup dur. Elle se rend à la clinique et, après un examen, le médecin lui dit « Chérie, tu arrives trop tard. Votre date d'accouchement est à 14 semaines et vous allez bientôt sentir les premiers signes. Vous allez donc devoir accoucher. Mon mari ne veut pas. Je n'y peux rien. De quoi avez-vous si peur ? Je vois dans votre histoire que vous n'êtes pas pauvre. Un autre bébé est-il vraiment un fardeau pour vous ? Les enfants sont nos joies, ils sont notre continuité. » Après son rendez-vous chez le médecin, Lisa décida de rendre visite à Cindy. Celle-ci vivait à l'autre bout de la ville avec son mari et son fils Ivan, qui avait un an de moins que Kevin. Lorsqu'elle a vu Lisa, elle était folle de joie. « Oh, combien d'années, combien d'hivers ? Quel vent t'a amené ici ? J'ai appris que vous aviez eu un accident. Je suis désolée pour votre perte. » Toutes ces phrases obligatoires de Cindy, je les ai dites d'un seul coup. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a invité son amie à entrer dans la maison. « Dis-moi ce que tu es venu me dire. Je vais avoir un autre bébé. C'est super. Tu pleures. Sébastien est totalement contre. Il m'a ordonné de me débarrasser de cette grossesse. La vie change les gens au point de les rendre méconnaissables. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez un jeune homme si gentil. Un vrai modèle. J'ai observé votre relation touchante et j'ai rêvé d'un tel amour. Clara a partagé mes soucis avec mon ami tout en se posant sur son épaule. Merci, Cindy. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Oh, je t'en prie. Tu ne dois pas trop t'inquiéter pour les hommes, ils sont tous comme ça et tu ne peux pas le changer. Tu dois juste savoir comment retourner la situation en ta faveur. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Eh bien, pour commencer, fais une crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça. Qu'ils s'inquiètent. Merci pour le conseil, mais je ne peux pas faire ça. Faites comme vous voulez, mais passez me voir si vous avez besoin de quelque chose. » Sébastien semble avoir oublié sa conversation avec sa femme. Il repartait pour des voyages d'affaires et revenait, toujours de mauvaise humeur. Bavaria s'efforçait de garder l'équilibre pour la tranquillité des enfants. Elle s'applique à jeter du bois dans le feu presque éteint du bonheur familial. Mais le feu ne veut pas s'allumer. 2 mois se sont écoulés et le ventre qui s'est développé est devenu visible même sous des vêtements amples. Un jour, au cours d'un dîner, mon mari m'a dit avec un calme apparent « Tu faisais toujours ce que tu voulais. » Sébastien, il était trop tard. Personne ne voulait faire l'opération. N'y a-t-il pas d'autres moyens ? Des herbes et des pilules ? Lisa était horrifiée. Vous êtes un homme cultivé. Et vous me proposez des méthodes médiévales pour vous débarrasser de votre propre enfant. S'il m'arrive quelque chose, avez-vous pensé à Kevin ? L'homme était embarrassé. Il s'est rendu compte qu'il avait dit quelque chose d'inutile. Je suis désolé, j'ai vraiment dit quelque chose de méchant sans réfléchir. Les choses se sont calmées pendant un certain temps. En été, elle donna naissance à un autre petit garçon dans un bar. Et Sébastien était même heureux du cadeau de sa femme. C'est une coïncidence que le père et le fils aient le même anniversaire.
Christopher va grandir. Nous le fêterons ensemble. Quand il sera grand, tu seras un grand homme. C'est une mauvaise réponse. Je n'ai que 33 ans. C'est l'âge du Christ. Ce qui est symbolique en soi, ils vendent de l'alcool fort au magasin à partir de 18 ans. Et le fait qu'en faisant un simple calcul, vous avez 51 ans. Et c'est le meilleur âge pour un homme. Pour la deuxième fois en quelques années de mariage, Lisa observa une transformation miraculeuse, elle qui était toujours acariâtre, dont le mari, cet ancien Sébastien, avec qui elle était facile et douillette. De toutes ses forces, la femme essayait de préserver ce bonheur fragile. Après le travail, Sébastien passait toute la soirée avec le petit Christopher. Il jouait avec lui et se réjouissait des succès de son fils. Kevin participe lui aussi activement à l'éducation du petit dernier de la famille. Mais cette idylle familiale ne dure pas longtemps. Bientôt, Sébastien recommence à rentrer à la maison le soir. Un jour, il disparaît pendant 2 jours. Son imagination lui dépeint les images les plus terribles et Lisa commence à appeler les amis et les collègues de son mari. Mais personne ne savait où son mari avait disparu. Elle voulait déjà appeler la police pour qu'elle se mette à la recherche de l'homme disparu. Comment Sébastien s'est-il présenté tout seul ? Il repousse avec irritation les questions de ses enfants, qui s'inquiètent aussi pour leur père. Et il s'en est pris à sa femme. « Tu fais toute une histoire, et tu fais peur aux enfants ? C'est moi qui les effraie. Tu as disparu de la maison sans me dire un mot. Tu aurais pu m'appeler. Ou bien tu ne te soucies de personne. Lisa, tu m'agaces avec ta manie d'aggraver les choses. Une autre femme aurait compris depuis longtemps la cause de nos problèmes. » Tu es dans l'ignorance naïve, où tu fais semblant de ne pas comprendre, parce que c'est plus pratique. Je suis désolée, qu'est-ce que je suis censée comprendre ? Eh bien, je vais vous le dire, sans vouloir vous offenser. J'en ai assez de cette existence grise. Regarde-toi dans le miroir. On ne t'a jamais dit que tu ressemblais à une souris grise ? Vous n'essayez même pas de changer. J'en ai assez de la médiocrité. Je veux des couleurs vives et des sentiments vifs. Elle regarde Sébastien et n'arrive pas à croire que c'est lui, son mari bien-aimé, qui prononce des paroles aussi blessantes. « Sébastien, reprends tes esprits, de quoi parles-tu ? J'ai déjà repris mes esprits et c'est pour cela que je pars. » L'homme sortit un sac de voyage et commença à y jeter ses affaires. Lisa ne pouvait plus bouger. Elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait. « Sébastien, et les enfants ? Ne t'inquiète pas pour les enfants, je m'en occupe. Et d'ailleurs, je suis très noble. » Car je te laisse la maison. Où vas-tu ? Je veux dire, où allez-vous vivre ? Ce ne sont pas vos affaires. J'ai rencontré une femme qui fait battre mon cœur. D'une démarche assurée, Sébastien se dirigea vers la porte, mais lorsqu'il se souvint de quelque chose, il se retourna pour prendre le reste de ses affaires. Je reviendrai demain. Et n'essaie pas de me chercher. Nous nous séparons pour de bon. C'est mieux pour tout le monde. La porte a claqué. Une minute plus tard, il y eut un puissant rugissement de moteur et le SUV noir disparut dans l'obscurité de la nuit d'hiver. « Maman, papa nous a quittés. » La fille regarde sa mère, la peur dans les yeux. « Comment allons-nous vivre sans papa maintenant ?» Kevin prit la main de sa sœur. « Tout ira bien. Il y a encore de vrais hommes dans la maison. Maman, s'il vient, je ne le laisserai pas entrer. » Lisa, qui espérait toujours que tout irait pour le mieux, tenta de dédramatiser la situation. « Fiston, tu ne peux pas parler de papa comme ça. » Ce n'est pas un père, c'est un traître. Ce n'est que quelques jours plus tard que Lisa a pris conscience de l'ampleur de sa catastrophe personnelle. Tout lui échappait. Et les enfants exigeaient les soins et l'attention d'une mère. Christopher, âgé d'un an et demi, était particulièrement vulnérable. Lisa n'avait plus rien à faire. Comment appeler Cindy ? Elle s'est précipitée, vous rencontrez l'équipe de secours. Nous allons rester avec vous pendant quelques jours, jusqu'à ce que les choses se calment. Tu as appelé tes parents ? Non, ce n'est pas bien de déranger les vieux. Ensuite, quand les choses se seront calmées, nous pourrons tout leur raconter. Qui sait, peut-être que ton Sébastien est le bon. D'accord, je ne parlerai pas devant les enfants. Mais, en règle générale, la plupart des maris infidèles. Puis battus, humiliés, elles retournent dans leur nid. Sébastien ne reviendra. Pas ? Vous en êtes presque sûr à 100%. Il y a donc encore un peu d'espoir pour le retour du perroquet prodigue. « Je suis désolée, je n'ai pas bien réfléchi. Eh bien, nous verrons. Notre chef de famille est dans un camp d'entraînement. Alors on va être bruyant et heureux. On va rester avec vous. On économisera sur les charges. » Cindy fait un clin d'œil à son amie, qui lui sourit. « Je suis stupéfaite par ta capacité à voir le bon côté de chaque situation. Parce que je suis une optimiste. Et il faut que tu fasses quelque chose, sinon c'est la pagaille.
À partir de ce jour, Cindy prend l'entière responsabilité de la maison de son amie et de ses locataires. Elle conseille à Lisa de prendre des vacances pour s'habituer à son nouvel environnement. Cindy s'emploie activement à transformer la vie de son amie. Lisa, tu dois changer complètement tes paramètres. Je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer. Lisa a essayé de résister aux activités exubérantes de son sauveur Nice. Écoute, Cindy, je vais avoir 33 ans et je ne pense pas que ce soit possible. Ce que tu suggères. Je suis d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour son apparence. On peut s'acheter des vêtements chics, mais comment se changer de l'intérieur? Si vous le voulez suffisamment, vous pouvez faire n'importe quoi. Les personnes motivées peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas croire. Bien sûr, il est difficile de le faire seul, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider. Lisa est en alerte. Je ne pensais pas que vous m'enverriez voir un thérapeute. Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, les gens ne se rendent pas compte de la gravité de leurs problèmes. Un thérapeute compétent peut déterminer la profondeur et la cause du problème en un coup d'œil. Non, je n'y vais pas. Calmez-vous. J'ai un ami à moi. Nous avons étudié ensemble. Il est spécialisé dans les problèmes des femmes. Mais si tu ne veux pas y aller, je te laisse tranquille. Mais j'aimerais que tu le fasses. Crois-moi, tu me remercieras plus tard. Et je dois y réfléchir. Tu peux donc rouler dans ta voiture époustouflante et réfléchir, et nous préparerons le dîner pour les elfes affamés. Cathy nous a fait rebondir avec enthousiasme, Cindy et moi, en s'amusant comme des folles. Qu'est-ce qu'un elfe? Ce sont des personnes très petites, mais qui peuvent faire toutes sortes de choses merveilleuses. Ils peuvent même transformer les gens en insectes. Enfin, ils ne peuvent le faire qu'à une personne méchante. Avec tante Betty, les femmes se sont regardées les unes les autres. Qui est cette personne? Cathy regarda sa mère et son amie, comme s'il s'agissait d'insectes. Comme si tu ne savais pas. Tante Betty est la petite amie de papa. Je l'ai vue quand papa et moi sommes allés au magasin acheter de la nourriture pour Christopher. Elle avait des cheveux noirs, mais je ne l'aimais pas. Cindy était intéressée par l'histoire de Cathy. Pourquoi est-elle méchante? Non, elle fait semblant, elle me dit qu'elle est mignonne, mais ses yeux sont méchants. Ma mère est mille fois plus jolie. Le compliment de la fille de Lisa soulage le cœur de cette dernière. Bon, Cindy, je ne veux plus entendre parler des tantes et des médecins. Je vais suivre ton conseil et aller prendre l'air. Pendant 2 heures, Lisa a fait le tour de la ville. Elle a chanté des chansons, parlé à son mari, qu'il a échangé contre une tante Betty aux cheveux noirs. Et tout le ressentiment d'une nuit silencieuse, elle est rentrée à la maison. Les enfants dormaient déjà et seule Cindy l'attendait dans la cuisine. Alors, je me défoule. Merci pour les conseils. Je me sens remarquablement légère en ce moment. Je vais prendre votre option. J'ai vraiment besoin de changer complètement de vie. Le problème, c'est que la grisaille s'est installée en moi et qu'elle ne me laisse pas changer. Lisa n'a jamais été aussi inquiète. Elle attendait son tour dans un fauteuil moelleux qui ressemblait plus à une grosse boule avec la même lumière douce et tamisée qui l'éclairait d'en haut. L'atmosphère était très confortable et la tension disparaissait, mais la porte s'ouvrit et un grand homme en costume coûteux, de la couleur de l'asphalte mouillé, l'invita à entrer. « Entrez, je vous en prie. Votre ami et moi sommes des amis de longue date et Cindy m'a un peu renseignée sur votre histoire. » Lisa acquiesça et sentit un frisson traître parcourir son corps. L'homme s'assit en face d'elle, de sorte que ses yeux bruns embrassèrent tout le spectre de la vue. « N'ayez pas peur, je ne suis pas un vrai médecin. Qui l'est ? Pour faire simple, je suis un spécialiste des problèmes. Je sais où ils se cachent et comment les traiter. C'est tout. Ce n'est pas suffisant? Vous voyez, vous avez même cessé de trembler. C'est une bonne chose, nous pouvons ainsi communiquer plus facilement. Lisa, je dois me présenter, Charles. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. J'aime la compagnie des femmes en général. Mais ce n'est pas parce que je suis une poire ou un fainéant. C'est juste qu'il y a vraiment un mystère dans chaque femme. Parfois, elle est à l'origine de graves problèmes. Et vous savez comment les résoudre. Vous réussissez toujours? Je ne vais pas vous mentir. Pas toujours, mais cela dépend beaucoup de la confiance. Si un client me fait confiance, en tant que spécialiste, un résultat positif est généralement garanti. Et combien de temps durera le traitement? Et combien cela va-t-il me coûter? Lisa, il ne s'agit pas d'un traitement au sens direct du terme. Je m'occupe depuis longtemps des problèmes de la femme moderne et j'ai mon propre système de solutions. Aucun médicament, aucune opération chirurgicale et aucun autre type d'influence ne vous menacera non plus. Alors, à quoi bon? Vous et moi allons essayer de trouver la clé de votre mystère personnel qui se cache à l'intérieur.
Bien qu'elle ne comprenne pas tout à fait ce que Charles dit, elle est intriguée par sa proposition. « Je suis d'accord, et je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis d'accord, et je ferai tout ce que tu voudras. Alors, à partir de demain, tu commenceras à tenir un journal, tu achèteras un cahier d'école générale au rayon des marchandises, et tu y écriras toutes tes pensées, tes peurs, tes inquiétudes, en veillant à noter les événements qui se produisent à la maison, dans la famille et au travail. En d'autres termes, écris dans un cahier tout ce qui te vient à l'esprit. Et qu'en ressortira-t-il? Nous le verrons ensemble plus tard. Mais je suis sûre que ce sera divertissant. Aimiez-vous écrire des dissertations au lycée? Oui. J'écrivais pour la moitié de la classe. Je ne pouvais pas dire non, même. Si je savais que c'était mal. Et vous vous en voulez pour cela? Oui, un peu. Mon mari m'a laissée avec 3 enfants, et je n'arrive pas à me débarrasser de la culpabilité. Je vais certainement vous aider. Mais d'abord, il faut être créatif. Lisa a acheté un cahier et tout un paquet de stylos. Elle a trouvé Charles très étrange. Mais elle décida d'essayer sa méthode sur elle-même. Chez elle, elle a ouvert le cahier et s'est figée. Son esprit était complètement vide. Elle les a emportés. Alors, Lisa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est alors qu'il lui vint à l'esprit que la première entrée devrait être une description de cette même peur, la peur du drap blanc. En levant les yeux, Lisa se rendit compte que cela faisait 2 heures, pas moins. Lisa regarda avec étonnement le carnet, dans lequel au moins 20 pages avaient été écrites. « Quelle mère tu m'as donnée ?» Elle a rapidement éteint la lumière et s'est couchée. Les mémoires sont des mémoires sur le sommeil et le travail. Le matin, Lisa a failli ne pas se réveiller, mais elle n'a pas paniqué. Elle courut joyeusement dans la maison, poussant les enfants dans les escaliers, Cindy apparut. Elle regarde son amie avec étonnement. « Var, qu'est-ce que tu as? Pourquoi te portes-tu comme une hélice ?» Oh, Cindy, bonjour. Viens prendre ton petit déjeuner avec nous. Cindy n'arrêtait pas de regarder Lisa. Pendant que Lisa se teignait les cils et disait à Kevin ce qu'il devait acheter après l'école. En arrivant au travail, Lisa s'est aperçue qu'il lui manquait son carnet de notes. Il s'avère qu'il se passe tellement de choses autour d'elle qu'elle ne les avait pas vues auparavant. La femme dans sa tête compila instantanément son attitude par rapport à ce qui se passait. Et elle ne voulait surtout pas l'oublier. Prenons l'exemple de leur concierge. Il souriait tous les matins, mais toujours sans ouvrir la bouche. Elle pensait qu'il s'agissait d'une particularité de l'homme. Et puis il s'est avéré que le concierge avait tout simplement un alcotest permanent. Lisa ne l'aimait pas. Mais quelqu'un du personnel a dit que cette transition nuisait à toute la famille. Il est donc plus facile pour lui de vivre ainsi. La semaine passe vite. Cindy observe avec intérêt la façon dont son ami, le soir, écrit avec application quelque chose dans un carnet. Un jour, elle n'en peut plus. « Regarde, tu as l'air d'une écolière. Il ne reste plus que ta langue. » Lisa a ri. « Tu sais, j'ai été tellement fascinée par ce que Charles m'a proposé que je pense que je pourrais écrire un livre. » Cindy s'assit en face d'elle. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, écrivez-le. Oh, je t'en prie. Quel livre ?» Cindy se verse calmement de l'eau dans un verre. « Je ne vois pas, pourquoi je ne le ferais pas ?» Mais Cindy, je ne suis pas écrivain. Pas de réponse acceptée. On ne n'est pas écrivain. Un écrivain est immédiatement donné. Oh, je vous en prie. Qui se soucie des expériences d'une souris grise? Cindy a souri. Je n'ai jamais compris pourquoi tu ne t'aimes pas. C'est le cas? Pourquoi je ne m'aime pas? Mais son ami ne l'a pas laissé terminer. Mais regarde. Tu sais très bien que tu as une apparence des plus ordinaires. Mais tu es intelligente, et tu ne peux pas ne pas te rendre compte qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi avec une telle apparence. Cela vaut la peine de dépenser un peu d'argent pour un styliste maquilleur. Ensuite, tout le monde vous a toujours prédit une carrière exceptionnelle. Mais vous aviez Sébastien en tête de liste. Je ne comprends pas pourquoi. Et maintenant, tu n'as même pas réfléchi à ce que j'ai dit, tu as juste dit que tu ne pouvais pas le faire. Et pourquoi n'as-tu pas répondu à ma question? Lisa était franchement déconcertée. Elle ne s'attendait pas à ce que son amie dise cela. Cindy, pourquoi, Cindy? Qui t'a raconté tout cela, si ce n'est moi? Lisa regarde confusément devant elle. Il semblait que les bouleversements dans sa vie ne faisaient que commencer. Elle écrivit encore plus longtemps aujourd'hui, parlant d'elle, de Cindy, de leur rencontre, de la peur qui l'habitait alors qu'elle était entraînée dans les toilettes de la rue. Elle s'est endormie, avec son carnet à la main. Le lendemain, elle devait rendre visite à Charles. Elle attendit à nouveau dans une sorte d'excitation frénétique. Et lorsqu'il s'est assis en face d'elle, elle s'est immédiatement calmée. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment allons-nous? Ne sois pas timide, dis-le-moi.
Même si tu n'as écrit que 4 pages, c'est déjà un progrès. » Lisa se mit soudain à rire. « Tu sais, Charles, jusqu'à ce que je commence à écrire tout ça, j'étais persuadée de vivre une vie grise et ennuyeuse. Maintenant, ma confiance est ébranlée. » Un homme dit soudain, « Lisa, est-ce qu'on t'a déjà dit ? Quel sourire charmant tu as ? Non, je ne sais pas, je ne me souviens pas. » Elle était gênée pour une raison quelconque et a posé le cahier devant lui. Il le prit dans ses mains et la regarda avec surprise. « Oh, tu es bonne. Qu'est-ce qu'il y a ? Occupons-nous de ce qui n'a pas cessé de te ronger. » Lisa secoue la tête. « Tu sais, j'aimerais que tu lises ça sans moi. Et ensuite, nous pourrons peut-être en parler. C'est très bien. Tu ne penses pas avoir terminé ? Tu as encore des choses à écrire ?» Elle a hoché la tête. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant d'événements différents, petits et grands, autour de nous, si on ne se contente pas de faire la liste de ce qui s'est passé dans une journée. Et si on y réfléchit, on arrive parfois aux conclusions les plus inattendues. C'est une bonne chose. Dis-moi, ton attitude à l'égard de l'un de ces événements a-t-elle changé, depuis que tu as écrit sur eux ? Lisa a acquiescé. J'ai vu beaucoup de choses de l'extérieur. Vous savez, il m'a même semblé que je pouvais changer certaines choses, en aider d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est ? N'ayez pas peur d'offrir votre aide, n'ayez pas peur de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Vous êtes sur le point de changer, n'est-ce pas ? Ils ont parlé pendant environ 1 heure. Charles n'avait pas l'air de dire quoi que ce soit, mais elle se sentait vraiment pleine d'énergie. Lisa est entrée dans le magasin et voulait acheter un cahier, mais après réflexion, elle a décidé d'en acheter 3. Si elle avait à peine de quoi acheter un cahier entier pour 1 semaine, combien lui faudrait-il de plus ? Personne ne le sait. Elle sortit et voulut rejoindre sa voiture, mais l'enseigne du salon de beauté Lily attira son attention. Elle avait toujours aimé les lisses. Lisa hésite. Elle allait toujours chez le même coiffeur. La même manucure. Puis elle marcha résolument, jusqu'à la voiture, posa les cahiers sur le siège et ferma la voiture. « Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. » Une femme de son âge l'a regardée. Sauf qu'elle était brillante et intéressante. Et même si la couleur de ses cheveux était un peu différente. Et ses lèvres, un peu plus brillantes que la bienséance ne l'exigeait. Mais cette femme attirait tous les regards. Après que Lisa s'est assise sur la chaise, la femme a demandé « Qu'est-ce qu'on va faire ?»« Non. Vous savez, Lisa s'est tournée vers elle. Je voudrais changer les choses. J'en ai assez. C'est très intéressant. » Elle tourna Lisa vers le miroir et fixa son reflet pensivement tout en continuant à parler. « J'ai fait des études et j'ai travaillé dans la capitale. Je n'ai pas seulement étudié pour être coiffeuse, mais aussi pour devenir maître de l'image. Puis je suis tombée amoureuse et je me suis mariée. J'ai déménagé ici. Mais à part les détails, personne ici ne veut faire de chimie. Non, ne croyez pas que je regrette quoi que ce soit. J'aime beaucoup mon mari. Mais parfois, on a envie de quelque chose comme ça. Les images de mariage sont la seule chose qui enlève un peu de pression professionnelle. C'est ça. Je sais ce que j'ai à faire. Au fait, je m'appelle Adriana. 2 heures plus tard, Adriana a confié Lisa au miroir. Je n'ai pas sauté sur l'occasion. C'est assez pour ton premier relooking. Quelque chose me dit que tu ne t'arrêteras pas là. Lisa a ouvert les yeux et a presque crié. C'était elle, et ce n'était pas elle. Ses cheveux avaient pris une couleur chocolat très foncée. Mais quand je les bouge, il y a des mèches de couleur claire qui apparaissent ici et là. Quelques tons plus clairs. Cela donne l'impression d'une chevelure très épaisse. Adriana les a fait faire, et maintenant ils sont à la longueur des épaules. Ils couvrent les oreilles avec beaucoup de succès. Les sourcils ont été terminés comme s'ils étaient de la teinte naturelle de vos cils, comme si vous les aviez épaissis. Je ne t'ai pas maquillée. Tout d'abord, cela aurait été un choc pour vous. Et deuxièmement, je te trouve très belle. Lisa a enfin pris l'air. Et ça ne part pas au lavage. Adriana rit. Bien. Sûr que non. Mais je te conseille de revenir au moins 1 fois par mois pour renouveler la lumière. Lisa sortit du salon et vit Charles sortir de l'immeuble d'en face. Elle lui sourit, le salua et monta dans sa voiture. Lisa elle-même ne savait pas pourquoi son âme chantait ainsi. Lisa est entrée dans la maison. Apparemment, Cindy et les enfants avaient comploté pour la faire sauter. Kevin passa en coup de vent. Quelque part dans l'autre pièce, Lena criait et Cindy riait. Puis Kevin est revenu. « Bonjour, maman. » Il est resté là à la regarder, stupéfait. On l'a appelé plusieurs fois pour qu'il sorte de la pièce. Il ne répondait pas. C'est alors que la tête de Cathy est apparue dans l'embrasure de la porte. « Bonjour. Cathy, elle n'a pas fini. » Elle regarde sa mère,
comme si elle la voyait pour la première fois. Cindy, qui n'avait attendu personne, apparut à son tour dans le couloir, suivie des plus jeunes membres des deux familles. Cindy expire bruyamment. « Ouah !» Lisa se sentait un peu mal à l'aise avec l'alimentation. « Est-ce que quelqu'un va me nourrir ?» Tout le monde a fait beaucoup de bruit. Kevin et Cindy se précipitèrent dans la cuisine et Cathy s'approcha d'elle. « Maman, tu es magnifique. Merci, mon rayon de soleil. » Le dîner fut très animé. C'était probablement la première soirée où personne ne se souvenait de Sébastien. Dès que Lisa entra dans le bureau, le silence se fit. « Bonjour, » dit-elle. Cindy l'avait bien sûr prévenue qu'il y aurait une réaction. Mais Lisa n'avait jamais imaginé qu'elle serait aussi forte. Jusqu'à l'heure du déjeuner, ses collègues se contentaient de loucher sur elle et de lui poser de temps en temps des questions d'ordre professionnel. Et juste avant le déjeuner, leur célèbre chouchou Robert s'est approché d'elle. « Lisa, je me demandais si nous pouvions déjeuner ensemble. » Elle lève les yeux vers lui, surprise. Robert ne l'avait jamais aimé, malgré le fait que toute la population féminine, les bureaux, les moins de 30 ans, dormait et se voyait à côté de Robert. Et il était vraiment bien. Grand, moyennement musclé, toujours habillé avec style, et d'une manière qui mettait en valeur sa masculinité. Il était aussi pompeux et superficiel au travail. Il faisait son travail et ne s'intéressait à rien d'autre. Mais c'est l'opinion de Lisa. « Merci, Robert. Je vais bien. Je déjeune seule. » Elle lui sourit avec charme et se figea intérieurement d'horreur. Comment pouvait-elle faire une chose pareille? Un si bel homme? Juste pour avoir fait attention à elle et donc pour lui avoir donné confiance. Elle devait non seulement dîner avec lui, mais aussi payer ses déjeuners. Robert la regarde avec stupéfaction. Les collègues de travail gloussent doucement. C'était particulièrement drôle pour ceux que Robert avait déjà largués. Il se dirigea vers son bureau et s'assit. Il était évident que le jeune homme était perdu et ne savait pas quoi faire. Lisa s'était déjà levée pour aller déjeuner lorsque la secrétaire entra dans le bureau. « Lisa, c'est toi qui es responsable. » Lisa a eu peur par habitude et a failli s'asseoir. Puis elle s'est dit « Pourquoi aurait-elle peur ? Son travail est en ordre. La vie privée de chacun ne devrait pas être l'affaire de tous. » Rick a dit « Assieds-toi, Lisa. Je ne l'ai pas fait. Il m'a demandé d'entrer. » Lisa s'est assise, ne comprenant pas ce que le responsable attendait d'elle. « Lisa, je surveille mes employés. Et tu sais, tu m'as toujours rendu heureux. Et quand n'as-tu jamais été brisée par des problèmes familiaux ? Je suis désolée, mais je suis au courant. Donc ça n'a pas affecté ton travail en aucune façon. J'ai réalisé que tu étais exactement la personne dont j'avais besoin. » Elle a demandé. « Je suis désolée, mais je suis un peu perdue. Besoin de quoi ? Mon adjoint a pris des vacances bien méritées. Je ne peux pas le faire seule, bien sûr. Personne ne veut vivre de son travail. Et vous avez tous les prérequis pour occuper ce poste ? » Lisa est un peu déconcertée. Comme ça, devenir directrice adjointe, au moins, elle avait la formation pour le faire. Mais pour une raison ou une autre, elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait vraiment faire carrière dans ce domaine. Maintenant, c'est devant elle, il faut la saisir et en profiter. Elle a refusé. « Rick, j'apprécie vraiment l'offre et je sais que je peux le faire. Mais au cas où vous ne l'auriez pas oublié, j'ai 3 enfants. Pour vous donner une réponse, afin de ne pas vous décevoir à l'avenir. » « Je dois parler à mes parents. Tu réalises que s'ils ne peuvent pas prendre au moins un junior, je ne peux pas accepter ton offre. C'est ce que j'aime chez toi. Tu es raisonnable et sobre. Et ça vaut beaucoup. Et je te laisse rentrer chez toi ce soir. Règle tes problèmes, parle à tes parents. Je te verrai demain avec une réponse. » Lisa a surpris Cindy en train de faire ses valises. « Où vas-tu ? » « Var, je suis désolée. Mon mari revient. Je viendrai te voir souvent, mais tu sais qu'il ne comprendra pas mon absence. » « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu es tout ébouriffé. » « Oui, je suis arrivée tôt. » Lisa m'a parlé de l'offre du patron. Cindy a tendu la main. « Qu'est-ce que je peux dire ? Ma fille, je crois en toi. Je suis sûre que tout va bien se passer maintenant. La seule chose qui reste à faire, c'est de croire en toi. » Lisa lève les yeux vers son amie. « Je crois en toi. J'y crois presque. » Elles se sont embrassées pour se dire au revoir. « Le plus important, c'est que tu t'en ailles comme ça, que tu ne te donnes pas le temps de te faire du mal et que tu t'enfonces dans toi-même, » dit Lisa en riant. « Alors, comment ça se passe avec ton ami Charles ?» Cindy lui lance un regard narquois. « À ce propos, pourquoi m'a-t-il appelé pour me poser un tas de questions stupides qui ne concernaient que toi ?» Lisa était confuse. Peut-être que ce qu'elle a écrit est le fruit des divagations d'une personne dérangée.
et il veut s'en assurer pour l'envoyer en traitement. Je me suis enfui, mon ami. Le soir, les enfants se retrouvent dans la cuisine. Maman, quelle est l'occasion ? Oui, grand-mère et grand-père viennent. Kevin regarde Cathy, puis maman, mais ils ne savent pas pour papa. Ils les découvriront. Vous allez m'aider ou pas ? On y va tous ensemble. Ils avaient à peine eu le temps de mettre la table qu'on sonna à la porte. Miranda se mit immédiatement à le relire. Bon sang, ça ne fait qu'un petit moment. Et tu faisais des signes comme ça ? Et papa a regardé Lisa. Ma fille, je ne te reconnais même pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Une nouvelle vie. Il a gloussé et est entré dans la pièce. Oh, nous recevons un accueil royal aujourd'hui. Miranda se tourna vers Lisa et sa fille. Nous avons oublié quelque chose. La femme repassait frénétiquement les anniversaires et autres dates dans sa tête. Maman, entre, tu n'as rien oublié. Tout le monde s'assit à table. La plus jeune, comme d'habitude, grimpa sur les genoux de son grand-père en souriant. Et le champagne ? David regarde sa fille avec plus d'attention. Je te connais trop bien. Dis-moi ce qui s'est passé. Mais Miranda est intervenue. Où est Sébastien ? Il n'est pas rentré à la maison ces derniers temps. Ce n'est pas une façon de se comporter pour un père de 3 enfants. Cathy s'est mise à pleurer. Kevin prit la main de sa mère, Lisa lui caressa la tête. « Je vous remercie. Ce n'est pas grave. Maman, papa Sébastien nous a quittés. » David a cancané. Il a même tapé du poing sur la table, comme s'il avait tué un cafard. Miranda se serra le cœur. « Maman, ça va. Nous nous habituons à vivre sans lui. Je t'ai réuni pour une toute autre raison. » La femme regarda sa fille avec étonnement. « Comment peux-tu dire cela ? Tu dois ramener ton mari dans la famille. » David fronce le nez, mais n'interrompt pas sa femme. « Maman, je ne ramènerai personne. » C'était son souhait. Il est heureux de vivre avec une nouvelle femme. « J'ai demandé le divorce aujourd'hui, mais j'ai besoin de ton aide. » « Ma fille, tu le sais. On m'a offert un nouveau poste aujourd'hui. » Elle a dit que papa l'admirait. Il a dit que sa fille montrerait à tout le monde. Et que les souris grises sont capables de quelque chose. D'autant plus qu'elle a l'air différente aujourd'hui. Elle ne ressemble pas du tout à une souris grise. Ses parents ont proposé d'emménager avec elle pour la saison froide. Les enfants ont besoin de cuisiner. Et la nuit tombe tôt. Maman, papa, je n'aurais jamais imaginé que vous m'aideriez autant. La visite suivante à Charles a eu lieu un week-end. Clara a regardé les deux cahiers griffonnés en souriant. Charles avait raison. Dès qu'elle avait écrit son problème, sa peur, sur une feuille blanche, il ne semblait plus si grand. Cette fois-ci, Charles n'a pas eu à attendre. Il l'attendait dans son bureau. « Lisa, j'ai une suggestion à te faire. Parlons-en ailleurs aujourd'hui. » Elle s'est figée. « Je vois bien que tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle s'est mise à rire. « C'est ma surprise. C'est mon plaisir. » Ils étaient assis dans un café, avec vue sur le parc. Autumn est un beau couple. Charles l'a regardé. « Tu as beaucoup changé. Et pas seulement en apparence. Tu sais, je regrette même d'avoir résisté à Cindy. » L'homme a souri. « Cindy, tu ne peux pas résister. Tu dois t'en rendre compte. Tôt ou tard, nous étions destinés à nous rencontrer. » « Dis-moi, j'ai lu ton journal. C'est vrai qu'elle t'a sauvé comme ça ?»« Oui, je me souviens encore de ses cris et de ses ennemis qui gisaient là. Bien sûr, c'est impossible à décrire avec des mots. Non, non, vous vous trompez. Vous écrivez dans un langage, si vivant que c'est, comme si je m'imaginais. J'ai même eu envie de casser la gueule à toute cette bande de connards. C'est pas vrai. Je ne me suis même pas rendu compte que je l'avais écrit, pour être honnête. Je n'ai pas fait exprès de penser. Lisa, je me demandais si je pouvais montrer ton journal à quelqu'un. C'est une sorte de riche philanthrope, écrivain, ermite. Je peux penser à beaucoup d'autres épithètes pour lui. Je vous promets que si vous ne voulez pas, nous arrêterons à tout moment. Arrêtez que, vous savez, vos notes feraient un très bon livre, un guide d'action pour les femmes qui se sont perdues. Écrit dans un langage artistique, très clair. Mais je suis une personne loin de tout cela, c'est pourquoi j'aimerais montrer vos écrits aux pros. Lisa s'attendait à tout sauf à ça. « Oh, Cindy, ce n'est pas elle qui a mis l'idée dans la tête de Charles ? Ça n'a pas l'air de grand-chose, pourtant. Il est bon de changer, alors changez tout. Essayons. C'est super. C'est tout simplement génial. Lisa, utilisons le prénom et buvons du champagne pour cela. » Après le café, ils ont fait une longue promenade. Charles a raconté que sa petite fille a toujours défendu la justice, dès la maternelle, à l'école et à la maison. Lisa rit. « Est-ce qu'on t'a appris à être juste ?»« Non, au contraire. Je crois que je n'ai pas bon caractère.
c'est ce qu'on me dit. Et je suis encore, je crois, très tranchante. Lisa, on pourrait aller au cinéma ou au théâtre avec toi. C'est tellement difficile de rencontrer une femme avec qui il est intéressant de parler. Beaucoup de femmes sont venues me voir. Mais, franchement, je les considère toutes comme des patientes. Je ne peux pas penser à vous. Je ne suis jamais allée au cinéma. Clara s'interroge. Quand était-elle allée au cinéma? Probablement quand Sébastien et elle n'avaient pas encore que 20. Cela fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. C'est magnifique. Non, ce n'est pas que tu n'aies pas été au cinéma depuis longtemps. C'est que j'aimerais t'y emmener. Un soir, Miranda demanda à Lisa si Sébastien avait appelé. Lisa se tourna vers elle, surprise. Non, pourquoi appellerait-il? Enfin, je l'ai rencontré par hasard hier au centre commercial. Il était avec sa petite amie. Mais il n'y avait nulle part où se cacher, alors il a dû dire bonjour. Alors c'est son quoi? Non. Vous savez, j'ai eu pitié de lui. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il était confus, effrayé. Lisa était sur le point de répondre, mais elle ne l'a pas fait. Elle savait parfaitement que sa mère s'inquiétait pour elle. C'est ça, une mère. Charles avait disparu. Je ne sais pas où. Après cette sortie au cinéma, il l'a ramenée à la maison et l'a embrassée. Elle a répondu avec une telle ferveur qu'il était impossible qu'ils se séparent. Apparemment, l'homme est tout de même intelligent, a pesé le pour et le contre, a décidé que 3 enfants pour lui. C'était trop de confiture, l'a blâmée. Elle était sûre que ce n'était pas parce qu'elle était une souris grise. La sonnette de la porte d'entrée retentit. La mère a levé les yeux. « Qui est là si tard ?» Lisa alla ouvrir. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle fut entourée. Elle a donc eu peur. « Lisa, il prend. Il s'occupe de tout, de la relecture et de la publication. Il est sûr que ce sera un vrai best-seller. Charles, pose-moi tout de suite. » Charles le posa sur le sol et regarda la maisonnée qui parlait avec embarras. David regarde Charles. « Je comprends que nous devons mettre la table pour le thé. Le jeune homme nous dira qui il est et pourquoi il transporte notre fille comme ça. » Une heure plus tard, le père faisait nerveusement les 100 pas dans la pièce. « Je savais. Je savais que ma fille était observée par tout le monde, mais Lisa, nous sommes tous avec toi. Garde cela à l'esprit. » Elle était confuse. En fait, sa profession ne tolère pas qu'on philosophe. Tout doit être calculé et mesuré avec précision. Et c'est ce qui s'est passé. À la veille de la présentation, elle était inquiète, comme elle ne l'était jamais, n'ayant jamais rien imaginé de mieux. Comment prendre un stylo, un cahier propre, et écrire le journal d'une femme seule? Deuxième partie. Vraiment, ça n'a pas marché de commencer à écrire. On sonna à la porte. Sébastien se tenait sur le pas de la porte. Combien de fois avait-elle imaginé cette rencontre, mais elle était toujours aussi confuse. Puis-je sortir? Entrer, bien sûr. Mais les enfants ne sont pas encore là. Je voulais vous parler. À moi. Mais je croyais qu'on avait réglé les choses. J'ai renoncé à la pension alimentaire, j'ai renoncé à la maison. Quelles sont les autres questions? Il la regarde avec surprise. Tu as changé? Les professeurs étaient bons. Voulez-vous lutter? Oui, si vous le permettez. Il est venu à la cuisine, vous avez changé les meubles du bar. Pour une raison ou une autre, c'était agréable de voir son nouveau visage. Oui, oui, ce n'était pas très chic. C'est vieux. C'est cher. Je gagne bien ma vie. Il scruta son ex-femme, quelque chose chez elle l'empêchait de parler. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tristesse dans ses yeux et qu'elle avait l'air mieux que lorsqu'ils vivaient ensemble. Lisa, je ne sais pas comment commencer cette conversation. Je suis juste venue te demander de sortir avec moi. Qu'en est-il de votre Betty? En quelque sorte. Sébastien fronce le nez. Betty n'était pas tout à fait ce qu'elle était au début. Tu as donc décidé de retourner là où tu étais heureux et en sécurité. Ne tordez pas le bras de Lisa. Il n'en est pas question. Et pourtant, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. J'ai une présentation demain. Il ne l'a pas laissé terminer. Il était excité. Moi aussi. Je veux dire, nous serons là. Tu ne crois pas que c'est un signe? Pourquoi y vas-tu? Je veux dire, tu n'as jamais été un grand fan de ce genre de choses. Mais Betty, elle adore être le centre d'attention. Sébastien est totalement embarrassé. Sébastien rentre à la maison. Les enfants seront bientôt là. Je ne veux pas qu'ils soient contrariés. Il se lève docilement. Bon, à demain. Elle haussa les épaules, incertaine. Lisa, dans une robe argentée moulante, les cheveux en grosses boucles, était assise devant le miroir. Adriana mettait la dernière main à son maquillage. Maquillage?
Chaque fois que je commence à te maquiller, j'ai plein de nouvelles idées. C'est dommage que tu ne puisses pas tout faire en un seul look. Lisa Harry. Quel genre de personne ferais-je ? Adriana la regarde attentivement. Dis-moi, qu'est-ce qui te ronge ? Mon ex-mari est passé. Il veut revenir, mais il va à l'événement de ce soir avec les siens. Il sait que vous avez écrit les notes de Lisa. Non, tu ne le sais pas ? Alors sois heureuse. Laisse-le se rendre compte de ce qu'il a perdu. Lisa a regardé Adriana. Es-tu complice ? Dit Adriana en souriant. Non, juste. Cindy est entrée. Tout est prêt pour plus tard. La foule doit être impressionnante. Lisa a regardé dehors et a reculé. Et je ne vais pas entrer là-dedans. Si, tu y vas. J'ai soif de ton autographe. Tu sais au moins que le livre s'est vendu en 2 jours ? Cindy et Adriana l'ont littéralement poussé dans les bras de Charles. Excusez-moi. Elles sont sorties dans la salle et ont rejoint les invités qui dégustaient déjà des amuse-gueules et des boissons sous les applaudissements. Une seconde. Clameur, mais elle rejette la tête en arrière, c'est une gagnante et ça veut tout dire. Sébastien, pourquoi restes-tu planté là comme une statue ? Approchons-nous. J'ai besoin d'un autographe. Betty tirait impatiemment sur sa manche. Il sortit enfin de sa stupeur. Oh, allez, tu veux y aller ? Quoi ? C'est quoi ce ton ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Il s'est tourné vers Betty et lui a dit « Tu veux partir ?» Mais voici Lisa, mon ex-femme. Betty a eu l'impression de marcher dans de l'eau glacée. Quelqu'un a mangé de la foutaise. Vous avez dit vous-même qu'elle travaillait dans l'informatique. C'est vrai. Ce devait être une activité de loisir. Et vous ne le saviez pas ? Non, Betty ne savait pas. Aux chamailleries. Ils n'ont pas remarqué que Charles s'approchait d'eux. Lisa fut immédiatement suivie par ses parents, Cindy. Et, bien sûr, les enfants de Cathy, avec sa spontanéité habituelle, dirent « Papa, tu ne m'as pas cru que Tata était méchante ? Tu vois, elle te fait du mal à toi aussi. » Lisa regarda son ex-mari. Ils lui ont parlé et ont décidé qu'elle devait le faire. Se débarrasser de la culpabilité. Le seul sentiment majeur qui a failli la tuer. C'est de sa faute si son mari l'a quittée. « Bonsoir, Sébastien. » Elle s'est retournée. « Bonjour. » Betty est restée silencieuse. Lisa lui sourit avec charme. « Vous vouliez un autographe ? Laissez-moi le signer. » Elle tendit la main pour prendre le livre que tenait Betty. Cette dernière le remit à sa machine, puis le jeta pour l'éviter. Sébastien regarda Lisa d'un air sombre. « Qu'est-ce que tu es devenue ? N'étais-tu pas si en colère, si cruelle ?» Ce Sébastien. Il n'était pas du tout agréable de se rendre compte que celui qui avait piétiné quelqu'un, dans la boue ne s'était pas effondré, mais s'était relevé. Il regarda autour de lui. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait une erreur. Je veux revenir en arrière. Nous avons 3 enfants, et tu sais qu'ils ont besoin d'un père. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Tu n'avais pas besoin d'un père pendant tout ce temps, et maintenant tu en as un. Tu confonds les deux. C'est toi qui penses avoir le droit de choisir quand tu veux des enfants et quand tu n'en veux pas. Lisa, ne t'avis pas de me parler comme ça. Charles a senti la main d'Yari trembler et la serrer plus fort. Elle doit le faire elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il ne trouvait pas les mots justes. Que vint cette avancée ? Je ne peux pas crier sur maman. Tu as déjà monté les enfants contre moi. Sébastien, pourquoi dis-tu tout cela ? Tu n'as jamais été comme ça avant. Il s'est arrêté de parler. Ils restèrent un moment en silence. Enfin, Sébastien regarda pour la première fois l'homme que son ex-femme tenait sous le bras. Puis son regard se porta à nouveau sur Lisa. « Tu veux dire que tu ne reviendras pas ? Tu ne veux pas que notre famille soit réunie ?» Lisa sourit. « Non. Sébastien, non, nous n'avons pas de famille, pas avant longtemps. » Elle se retourne et il se dirige vers la scène. Sébastien attrapa la mère de son ex-femme par le bras. « Miranda, tu as toujours été intelligente et calme. Pourquoi ne parlez-vous pas à votre fille ? Nous devrions être ensemble. » La femme le regarde. « Non, Sébastien, il est trop tard. Et tu sais, je suis contente que tu sois divorcée. » Cela a secoué Lisa. Charles lui a littéralement fait croire en elle. « Je suis beaucoup plus à l'aise avec Charles comme gendre. Ils sont quoi ? Elle quoi ? Oui, Sébastien, Lisa va se marier, et je suis sûre que son mari ne dira jamais qu'elle est une souris grise qui n'est rien. » Miranda s'avança lentement dans le couloir. Sébastien la regarda en silence. Hier encore, il était sûr d'être accueilli à bras ouverts, d'être installé dans le fauteuil le plus confortable et d'être encore plus aimé. Mais tout s'est mal passé. Il se retourna et sortit précipitamment de l'auditorium. Il devait maintenant faire la paix avec Betty. Il ne peut pas aller vivre avec son père.
De toute façon, il ne veut pas lui parler. Après que Sébastien ait largué Lisa, et s'il découvre ce qui s'est passé, il ne pensera plus du tout qu'il est son fils. Sébastien respire l'air froid. Une annonce attire son attention. Il recrutait des spécialistes pour une nouvelle usine de tests en Sibérie. Il sourit, arracha sa plaque d'immatriculation, enfonça ses mains dans ses poches et s'engagea dans la rue.